la prière. J'évoque aussi parfois la grande chambre ancienne. Nous allions prier pendant les soirs de mai. Comme pour la chaleur, on ouvrait la persienne. L'âme des fleurs passait dans le vent embaumé. Une madone blonde ornait la cheminée, montrant des doigts son cœur traversé d'un couteau. Des chandeliers d'argent l'avaient illuminé et donné de la vie aux fleurs de son manteau. Mais la chambre perdait tout son aspect sévère, tant les roses prenaient des teintes de pastel, tant les lys dormaient bien dans leur globe de verre, et tant ce reposoir avait des airs d'autel. Nous arrivions ensemble, en marchant sur les pointes de nos pieds, dans la chambre où la Vierge régnait, et nous pleurions de voir que, malgré nos mains jointes, sous son manteau d'azur, son cœur rouge saignait. Et nous prenions plaisir à compter les bougies, et nos lèvres goûtaient le charme qu'il y a, psalmodio, comme des élégies, les rythmiques versets des Ave Maria. On eût dit que le ciel descendait dans la chambre, avec son clair de lune et tous ses astres d'or, et les lits qui flottaient dans ses lumières d'ambre semblaient de grands bateaux sur un fleuve qui dort. Et quand nous nous couchions, commençait le voyage idéal vers le paradis bleu. Des anges descendaient nous servir d'équipage, et nous nous endormions dans des gestes d'adieu.